Carlos, Spirus, ¿cómo estás? Para mí estoy muy bien, porque yo como chips en salsitas. Hoy les voy a mostrar el verdadero episodio 1 de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. ¿Por qué hablas español? ¿Por qué? ¡Qué bonita señorita! No, ok, je me calme, on commence bien, avec mon espagnol à deux balles. Donc, je vous le répète, je ne suis pas espagnol. Donc là, Kizai va me défoncer. Non, mais je fous pas de votre gueule, hein, vous les espagnols, mais j'ai envie de parler en espagnol, porque l'espagnol est una lengua que me paraît muy bien. Non, mais j'aime bien franchement l'espagnol, et puis ça me fait marrer. Vu que je suis italien, bah, j'ai un peu plus de facilité, même si je sais pas si j'ai dit des trucs juste dans ce que je viens de dire, mais bon, à mon avis, oui. Surtout, que bonita signorita, qui veut dire tout dire, hein, voilà. Donc, on est parti, les amis, pour l'épisode 1 de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Et oui, le nom de fou, le titre le plus long que j'ai jamais vu de ma vie. Oui, les amis, on est parti. En plus, ça rime. Donc, soyons fous. Plus on est, plus on rit. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais voilà. Avant de commencer, j'espère que l'intro vous a plu. Pour l'épisode d'intro, je vous l'avais préparé. Vous aurez également pour cet épisode 1 une outro qui vous permettra de regarder l'épisode précédent. En tout cas, vous aurez un petit aperçu. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous plaira également. Donc, on est parti pour cette aventure ultime, comme nous le décrit ce titre. Donc, allez, let's go. New World Party, yes. J'espère que le jeu va nous promettre des choses vraiment très intéressantes. Pour l'instant, j'ai pas encore joué au jeu. Je me suis juste entraîné, vite fait, comme ça, pour avoir un peu quelques touches quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est très très dur quand on n'a pas vraiment le jeu en main. Donc voilà, mais bon, je vous le promets, je m'améliorerai pendant le let's play, petit à petit. De toute façon, je peux pas non plus être un joueur de fou en même temps, vous commenter de manière irréprochable. Donc je ferai le mieux que je peux en me taisant. Une pré-cinématique en fait, pas celle d'intro, présente le jeu, mais je me tais. Koreva, Eiyu no Monogatari. まさに命を懸けて戦った。気高く燃える意志を抱いた者の。俺に気づいたか。
飛ばすところも慎重に選ばなきゃ。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。朽ちることのない真実の物語。序章、九尾襲来。こっちの攻撃がすり抜けた。なんだ、あの術は。うららま、けばさ、アミゴス。なめ、franchement。Quelle entrée en jeu vraiment très impressionnante. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est qu'en fait, le village de Konoha s'est fait, on va dire, entre guillemets, attaquer par Kyuubi en lui-même. Donc, le démon renard à neuf queues, qui est vraiment une bête féroce, ultime et très très méchante. Et ce que vous voyez là, en face de vous, donc Minato, et en fait le père de Naruto, pour ceux qui ne savaient pas, bon, la ressemblance est assez frappante, hein. Et voilà, il était en fait 4ème Hokage avant qu'il crève, on va dire. Oui, parce qu'il est mort, malheureusement. Il est mort justement en combattant ce Kyuubi qui l'a scellé en fait, tout simplement, dans Naruto. Parce qu'on peut pas vraiment les tuer, c'est une espèce de démon, on peut que les sceller. Et cette fois-ci, ben, il a choisi son propre fils parce qu'il savait que son fils avait un pouvoir qui pouvait, on va dire, contrer le futur Kyuubi qui, si jamais. Arriver à se déceler, ben, Naruto serait capable, on va dire, de le maîtriser. Ce qui est environ vrai dans l'anime. Voilà, enfin dans le manga. Donc voilà, après comme vous avez vu Kishimoto, donc c'est le mangaka qui a écrit l'histoire. On a vu aussi un autre personnage masqué. Je ne vais pas vous dire encore son prénom, son nom, etc. Ils vont le dire de toute façon dans le jeu. C'est un personnage clé de l'histoire complète de Naruto Shippuden en tout cas. Donc voilà, maintenant on est donc dans une décision ultime. Donc les décisions ultimes ont lieu pendant le scénario, dans le combat, vous prenez la place du personnage et vous choisissez une voie qui modifie le scénario du jeu. Et le jeu, ok, donc il y a plusieurs phases de jeu différentes, c'est ça. Point de héros et point de légende, il y a deux types de voies, quand vous terminez la voie du héros, vous obtenez des points du héros. La voie de la légende vous permet d'obtenir des points de légende, logique. Amélioration de palette, les points font grandir vos palettes, donc c'est une espèce de ok, c'est pour attribuer en fait à la touche directionnelle des objets, je pense, voilà comme ils le disent. Ok. Et vous pouvez obtenir des points de héros et des points de légende en gagnant certains combats, vous gagnerez généralement plus de points grâce aux combats impliquant des décisions ultimes ou en terminant des événements. Ok. Donc, j'ai le choix entre deux trucs, soit légende, soit héros. Donc soit je fais un étrange pressentiment s'abat sur Minato qui se cache derrière tout cela. Soit Kyuubi est en train de réduire Konoha en cendres, le troisième Hokage aidé d'autres ninjas s'oppose à lui de son côté. Minato espère que le village s'en sortira. Sachant que j'ai envie de jouer avec Minato, on va tenter, de faire le légende. Donc voilà. Donc on est parti, donc on va essayer de battre cette espèce d'homme masqué à deux balles. C'est parti. Je sais pas du tout si j'ai réussi à battre directement, hein, si jamais on recommencera. Le temps qu'il faudra. Mais je me tais lors des dialogues. Enfin, j'essaye. Ano ichun de yoku mo koko made. Omae wa nani mono da? Naze Konoha o nerau? Ore no koto o kiite dou naru? Omae ra wa mou mamonaku owaru to iu no ni. On est parti. On va combattre. Ce fameux homme masqué. Gagner le combat, donc on a des conditions de combat. Gagner le combat, prérequis des bonus.
Maintenir la jauge de PV en dessous de 40%. En dessus, ok, donc je ne veux pas perdre plus de 60% de mes PV. Et attends, elle est là. Putain de merde. Ça va être chaud, les gars, ça va être chaud. Putain de merde, c'est cochon malade. Oi. Voilà. Putain. Oh, elle a pris cher là, pauvre. Oh oui. Oh, je vais péter sa gueule là. Un sport. Allez les gars, on peut y croire. Ah. Petite phase. しかしだからといってこの俺から目を離すことはできない。メナ。葛藤だな。4代目ホカゲ。里のことは3代目と里のみんなを信じるしかない。うん。それは。こいつを仕留めることに集中しなければ。 Allez, vas-y. Prêt. Mais j'étais prêt, bordel! On est où là? Donc là, on est plein dans le village, on compte se faire cramer le cul par la QB. Hein. Un petit renard. Enfin, un petit relatif. Voilà. Il est pas content du tout. Et oui, ce papy est le troisième Hokage. Donc voilà. Donc ce papy, je disais, c'est le troisième Hokage, c'est le, on va dire, l'Hokage qu'on va voir le plus souvent dans Naruto. Ce sera même que lui qu'on verra dans Naruto. Et dans Shippuden, bah ça sera justement une autre, donc Tsunade, qui le remplacera. Donc voilà. Même, enfin Tsunade remplacera Sarutobi juste avant la fin de Naruto, vu que malheureusement il aura subi quelques petits problèmes, on va dire. Donc c'est parti contre le Kyubi. Je sais pas comment ça va se faire parce que. Enfin. Alors, attention à l'attaque des QB, battez QB, la garde ne marche pas. Attention aux attaques directes des V, ok. Attention David danger. Quand danger apparaît sur la jauge de PV, QB va attaquer esquiver rapidement. Putain. Putain, y a plein de trucs qui se passent. Donc on a aussi des comment on appelle ça, du QTE je crois. Donc il nous montre des boutons à faire et on doit le faire. Ce qui est attaqué à Léo, ce bâtiment à marque bleue, utilise des shuriken et des techniques. Ouais bah ok ouais. Allez vas-y, défonce ta tête. Allez, des coups de tige dans la tête du Mikado, j'aime ça le Mikado. Oui, vas-y. Je sais que tu kiffes ça. Ah merde. Cochon malade. Vas-y, viens là. Oh, utilisez vos soutiens ninja de Konoha sont prêts à vous aider. Ok.
Ah merde. Merde. Putain de merde, fils de ta mère. Allez, vas-y, vas-y. Merde. Allez, dans ta tête. Oh oui, non. Oh oui, la barre à la tête, là. Oh, putain de merde. L'arrivée des renforts, un messager rejoint des renforts sont arrivés. Chosa, et dans son gna. Oui. Allez. Putain de merde, je vois rien. Allez. Oh oui, oh oui, oh oui, j'aime les chips. J'aime les chips. Oh putain. Merde. Bonjour. L'arrivée des renforts, gna gna, activez une... Ok, 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 pas de soucis. Ok. On lui fait une attaque ultime de la mort qui tue. C'est drôle, bordel. Alors là, il y a des QTE. Attention. Les actions contextuelles. Donc ils appellent ça comme ça, gna gna, donc... qu'on voit l'écran et il faut qu'on gagne des étoiles si on réussit la C comme il appelle ça plus gna. Ok, si on a beaucoup d'étoiles on va peut-être apprendre peut-être un secret sur ce qui se déroule derrière le combat, donc ça c'est assez intéressant, donc je vais essayer de les choper. Putain, j'ai même pas eu le temps de tac tac. Vas-y, il est pas content. Regarde. Bam, bam. Bam, 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 bam. Oh putain. Vas-y, 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 vas-y. Putain de merde. Oui, le maximum, oui. Tac. Après. Putain, on a pris cher le pauvre. Et oui, t'aimes ça. Bam! Casse-toi, casse-toi, casse-toi! Putain! Excusez-moi, je parle pas trop parce que. C'est le bordel! Oh! Tactique ultime! Non, c'est. Tactique du clan, je sais pas. C'est trois clans en même temps en fait. C'est le troisième gars en fait du trio. Donc je le bloque avec mes ombres. Chosa il fait un gros truc de barbare. Voilà. Et finalement. Allez, allez, allez. Oui. Putain. Alors là, normalement, il prend cher. Grosse attaque de barbare. Les amis, nous allons tuer. Non, peut-être pas à ce point. Mais... Putain, il prend cher, il prend cher. Voilà. In your face, QB. Bam.
Nickel. Plein de fric. Parce que j'aime ça. S. Oh les gens, on est trop des brutes. Ouais. Du kunai, machin, coupant, pas de soucis. Je vais aller acheter des chaussures après. Voilà. Il y a beaucoup de cinématiques, donc j'essaie de me taire aussi au maximum. Mais c'est chaud parce que j'aimerais bien vous expliquer des trucs. Mais je vais me taire. さすがに粘りおる。じゃが、この歯は負けぬぞ。ここだ。これは契約封印。これでキュービーはお前のものではなくなった。Alors。Débloquer une séquence cachée, bravo, comment vous avez gagné. Alors, vu qu'on a eu l'espèce d'étoile, la grosse étoile, vous savez, parce qu'il y avait plein de petites étoiles. Ah, j'ai aussi un petit trophée. J'ai réussi à avoir la grosse étoile, et là, faut croire que j'ai dévoré une séquence cachée. Les séquences cachées sont des vidéos qui se lancent si vous collectez des étoiles, elles sont cachées dans différentes combats, gna gna gna. Ok. Oh, énorme. Oh, énorme, les amis. Putain de merde, je veux le combattre. Quand la marque à la gauche s'affiche, cela veut dire que quelque chose est caché. Faut faire quoi? Bam, bim, boum. Oh oui! Bah! Oh, c'est beau ça! Ah, mais le pauvre, il a pris cher! Gueule! Le masqué est quand même pas mal bon. キュービーを引き離すとはな。だがキュービーはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑るもの。やりようはいくらでも。Voilà, donc il fuit, hein, comme un sale lâche. あの感じ、嘘で言っているんじゃない。けど、今。Voilà, nickel.On a fait tout ce qu'il fallait. Même du fric aussi. Et aussi on... Oh mais tiens, je suis bon aujourd'hui, hein. Je gagne du S partout. C'est magnifique. Du saut de poisson, des cachets de célébrité. Voilà. Attaque de QB. Ah, j'ai eu un autre truc encore. Ah, parce que j'ai eu la séquence cachée. Ok. Attends, ah, j'ai des points aussi, encore un trophée. Des points gagnés pour légende. Minato, Nania. Ah, j'ai débloqué Minato, c'est cool ça. En Junin et en Hokage, donc Junin c'était avant qu'il soit Hokage finalement. Les deux sont bons, hein. Homme masqué, donc je vous dis après le nom. Troisième Hokage, ça c'est cool. Et j'obtiens un titre. Deux titres. une image de carte. Ok, plein de trucs quoi. Encore une un trophée, putain. Satan Sotoe wa Uyata. Et là, le combat contre QB continue. Et qui est là pour sauver la mise? Oh,
Et il est là. Regardez bien. Hein. C'est très très intéressant. Minato, Kyubi goto tonda no ka? Watchi ka? Donc à qui peut être cette vision? On voit la vision de qui là, vous pensez? Daijoubu, Kai. Taisetsu na mono o mamoru tame, saigo made tatakatta. J'ai des frissons les amis, un truc de fou. Koko made wa nantoka dekita. Kedo, ore no chakra wa mou... <笑>守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り、俺は。これは英雄の物語。 Truc de psychopathe. Un combat? Non. Ah oui, je vous ai pas dit, il est la voix que vous êtes enfant. Devinez qui, hein, qui c'est. Bon, vous venez de là, peut-être de comprendre hein, que la voix du héros qui aime Minato, mais peut-être que la mère de Naruto. Et qui est-elle? Bah, je vous l'ai dit en épisode 0, en intro, c'est Kushina. Eh oui. Je vous ai pas dit tout de suite parce que j'ai pas... J'avais percuté que c'était sa voix, hein, mais j'ai pas non plus fait... Enfin, je voulais pas vous dire, ouais, c'est ça, c'est elle, etc. Donc je vais sauvegarder, et je vais voir ce qui se passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Que je vais essayer de voir. Bon, alors continue, hein. Hey you. Doke wo seoi. Kibou wo motarasu. Ika ni shichi wo ayumu wo tomu. Ika ni 苦境に立とうとも燃ゆる意志はなおも高ぶり信ずる者がために核も戦う。C'est des belles phrases, franchement. その者、英雄。 Oui. Oh là là. 日々が経ち、過去が未来に転じるとも。 その名は微塵も朽ちることなく新しき時代に轍を残し混迷の世に今一度名は継がれるその者英雄歴史に刻まれし神風その名は Franchement,
嬉しいってばよ。ま、お前も桜も。J'attends que les discussions finissent, même si en fond vous avez le texte. Mais je préfère que vous entendiez les voix des personnages. 用事があるんじゃ仕方ないさ。次の機会だな。大丈夫だって。サユの分まで俺が食べてやっからさ。いや、何が大丈夫なのよ。とにかく楽しみだってばよ。しかし、その様子を見てると、木の葉を救った英雄とはとても思えないな。げ、カカシ先生もそれ言うのかよ。この頃どこ行ってもそれ言われてさ、こそばい食って仕方ねえんだけど。ま、お前が里を救ったのは事実だろ。人ってのは何かとヒーロー役を立てたがるもんなのよ。Je vous expliquer pourquoi il dit ça. Après. てえ、そんなことどうでもいいか。今は1分1秒でも早く一楽に到着する方が大切だってばよ。だな。待っててね、ラーメンちゃん。ほんと、どんだけよあんたのラーメン好きは。Mais pas un point un peu de pause là. Ah ouais, mais c'est le début, c'est normal. Ils enchaînent un peu le tout. Donc je vais essayer de. C'est bon là. Déplacement libre. Dans certaines scènes de l'histoire principale, vous pouvez utiliser les déplacements libres. Cela vous permet d'aller où vous voulez. Vous pouvez explorer par le champ. Icône personnage. Donc là, des icônes s'affichent. On peut parler aux gens. Type d'icônes différents. Donc il y a l'espèce d'exclamation là qui signifie, qui décrit un événement qui fait avancer l'histoire principale et un en violet qui montre que vous pouvez accepter une requête. Donc une espèce de quête secondaire. Changer le type de carte en faisant select. Il y a les sauvegardes automatiques ou en sauvegardant devant les espèces de niches d'oiseaux là. Et si jamais j'ai des problèmes, je peux aller voir le didacticiel. Les coupons pour aller acheter mes chaussures sont... non, c'est pas pour acheter mes chaussures, mais c'est quand même des coupons pour aller acheter des trucs dans les boutiques. Voilà, parfait. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire avant de vous quitter? Bah oui, parce que je vais vous quitter déjà. On a fait un bon épisode avec... dans ce jeu, en tout cas. Et ce que je peux vous dire sur Minato et Kushina... C'est que Minato, comme vous avez pu le voir, a été un héros. Oui, il a été un héros. Assez étonnant. Juste au moment où Naruto naissait, en fait. Et comme je vous l'ai dit avant, il a scellé, en fait, Kyuubi dans Naruto. Depuis ce jour, Kyuubi a fait plein de merde dans le corps de Naruto, hein, bien sûr. Mais à ce point-là, là de l'histoire, pardon, Kyuubi commence, on va dire... Naruto commence à prendre le dessus sur Kyuubi à ce moment-là. Il a presque le dessus, mais il l'a pas encore. Bientôt il l'aura le dessus, en tout cas dans les scans il l'a. Dans le jeu je sais pas s'il l'aura. En tout cas c'est pendant la 4ème guerre ou 3ème guerre ninja là. 4ème je sais plus maintenant. Attends, je vérifie. La 4ème grande guerre ninja. Naruto aura on va dire l'approbation de Kyuubi et ils combattront ensemble. Mais d'ici là, plein de choses se passeront. À part ça, donc Minato et Kushina, comme je vous l'ai dit, le couple que je préfère dans n'importe quel manga. Minato, comme vous avez pu le voir, est charismatique, mais ouais, un de ses points, ce truc de malade. Le troisième Hokage, on le voit dans Naruto, comme je vous l'ai dit avant, il est assez important parce qu'il a quand même réussi à sceller Orochimaru. Enfin, il a réussi à sceller en tout cas les bras d'Orochimaru, ce qui lui permettait de... Orochimaru ne pouvait plus faire aucune technique, donc il était inutile, hein. Donc voilà, c'est ce qui a été, on va dire, la phase... les actions principales du 3ème Hokage. Il a aussi formé Naruto et toute sa team, on va dire, et tous les autres qu'on connaît. Donc voilà, et je peux voir aussi au fond de jeu, les personnages jouent, sautent, marchent. C'est vraiment sympathique. Franchement, ce jeu m'a l'air vraiment prometteur. Voilà, donc je vous ai tout dit. Je sais pas, ouais, je pense que je vais vous laisser là. Et. Je sais pas si je tourne directement la suite. En tout cas, ça m'a vraiment plu ce jeu pour l'instant. Le combat Minato contre l'homme masqué, je vais l'appeler comme ça pour l'instant, est très très intéressant. Et ça m'a vraiment plu, c'était dynamique, c'était explosif et Minato a joué vraiment très jouissif.
concernant Kyuubi, ben, elle a eu une autre phase de jeu, une autre phase de combat, on va dire, qui a été pas mal, même si elle était un peu dirigée. Quoique, voilà, c'était quand même pas mal, je trouve. Sinon, voilà, j'espère que la suite sera aussi pas mal et que je ferai des bons résultats comme je l'ai fait pour l'instant, hein, que du S. J'ai quand même assez assuré. Donc voilà, donc ma prochaine destination est chez Ishiraku, pardon. C'est donc celui qui fait les nouilles à Naruto, surtout, et à tous les autres, bien sûr, mais surtout Naruto. Voilà, ils sont potes, hein, depuis petit, et il va toujours là-bas. Enfin, ils sont potes, oui, ils sont potes. Enfin, c'est pas celui qui fait les nouilles, je crois, c'est un copain, et ils vont ensemble manger des nouilles, je crois, un truc comme ça. Ou alors, chez Ishiraku, c'est où ils vendent les nouilles, je sais plus maintenant. Je suis à la masse. On verra bien, donc je vous le dis à la prochaine fois, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai pas beaucoup de parler parce qu'il y a beaucoup de cinématiques. Donc je vous dis à la prochaine. C'était Pyrux. Donc, je sais pas comment on dit à la prochaine en espagnol, on va dire hasta mañana. Et voilà, donc allez, ciao à tous. C'était Pyrux, mangez des pizzas, des tacos, des saucisses, des chips. Ça fait du bien pour la santé. Et la prochaine fois, je vous parlerai un peu plus du militaire parce que j'aurai peut-être plus de temps pour ce faire. Allez, ciao ciao à tous !